On aurait dû prendre une grande boîte de chocolat et une petite saphir Adam. Relax, on va dîner chez ta tante, pas chez la reine d'Angleterre. Vous montez? Non merci, je prends l'escalier. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Oui, oh, facile à dire, toi tu voles. Pourquoi faut toujours qu'il pollue les ascenseurs avec ses musiques moisies? C'est rien, t'inquiète. On repart, 5e étage. Allez. On va plutôt appeler le dépanneur, hein? Ne quittez pas, un opérateur va prendre votre appel. T'es malade? C'était notre seul moyen de communiquer avec l'extérieur. Et voilà, comme neuf. On va bientôt manquer d'oxygène. Tagako! Les murs! Aide-moi! Vite! Je vais plus pouvoir tenir très longtemps. C'est dans ta tête, Hubert. Ça va aller. Fais le petit chien. Là, c'est bien. T'inquiète, on va pas mourir. Enfin, pas tout de suite. Peut-être qu'il s'est passé un truc dehors. Peut-être qu'on est les derniers survivants de la planète. Et que des hordes de zombies errent dans les rues à la recherche de cerveaux. Peut-être que le dernier disque sur Terre est un album de Bossa Nova. Oscar! Si les choses tournent mal, je te lègue ma collection de cravates. Pourvu qu'on s'en sorte. Et je veux bien qu'on donne mon nom à une école primaire. Non, plutôt un rond-point. Arrête! La seule chose qui portera ton nom, c'est la une des magazines quand on sortira d'ici. Tu seras un héros. Les filles vont te tomber dans les bras. Tu crois? Je vais devoir vous faire du bouche à bouche. Ah, Jennifer. Mon amour. Passe-moi le chocolat! J'ai faim! C'est pour ma tata, ça se fait pas d'arriver les mains vides. Gagné! C'est pour ma tata, j'ai dit. Non, mais on pourrait ouvrir la boîte, manger le premier étage, refermer la boîte et rien dire à personne. Ok! On n'aurait pas dû manger tous les chocolats. On aurait dû prendre une grande boîte. Je veux que tu saches, t'es une chouette copine. Moi aussi, je t'aime bien, tu sais. Un jour, j'ai utilisé ta guitare comme une pelle à tarte. J'ai cassé la tondeuse en faisant du kart avec. Une tondeuse toute neuve! Ma guitare de collection! Dire que j'étais prête à donner ton nom à un rond-point! Et moi, à te léguer ma collection de cravates! Je crois qu'on s'est tout dit. Là, regarde, une porte de sortie.
vois rien, c'est noir comme dans un four. Attends. Je viens avec toi. Il le prend pas mal, mais t'as pris un peu sur les hanches dernièrement. Promets-moi de tenir jusqu'à ce que je ramène les secours. Kakako! Hubert! Service de maintenance, que puis-je faire pour vous? On est bloqué dans l'ascenseur. À votre service. Bonne journée. Yes! Hello! Vous avez l'air en pleine forme. Désolé pour le retard. Tu devais être morte d'inquiétude. Bon, penses-tu? Bon, 5 minutes, c'est rien. 5 minutes? Mais ne restez pas là, entrez. Vous aimez la bossa nova, j'espère? Moi, j'adore. Oui? Yo, gros. On vient voir Takako. Nat, Cathy, yes! Vous avez le matos? T'inquiète. Brosse à dents. Sac de couchage. Popcorn. Lecteur de MP3. Romance vampire en Blu-ray. Et... pyjama! On va se faire une soirée, nana! Takako! Nat! Cathy! Hubert! Hubert? C'est une soirée pyjama. Traduction pour le cochon, interdit aux garçons. Ah oui, bien sûr, je plaisantais. Tu dors là? Oh, ça tombe bien, on va squatter ta chambre. Yes! On va s'éclater comme des malades! Trop dément. La nouvelle Yakamachu 500 a un nouveau pot hybride en titane renforcé. Bouge pas. Trop bon ton guacamole, Nat. Tu bouffes mon masque de beauté, là. Bon, je vais chercher de quoi manger avant que Cathy avale notre stock de maquillage. Je cherche mes lentilles de contact. Hubert, t'as jamais porté de lentilles de contact? Tant mieux! En voilà une bonne nouvelle! Sinon, ça va? Tout se passe bien? Un petit creux? Merci! Salut! J'ai trouvé ma taille! En solde, pas cher! Salut! Moi, c'est Patricia! Patoche pour les intimes. Qui veut essayer le mascara au chamallow? C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Hey, bitch, volez les filles. Sortez les maillots, c'est le moment. Hubert, t'es lourd, on a dit non. Qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas besoin de vous d'abord. Moi aussi j'ai des amis. D'ailleurs, ils battent en bas, j'y retourne. On s'excuse d'avance. On va faire un peu de bruit. Allez-y, vous gênez surtout pas. Ah ah ah, qu'est-ce qu'on s'éclate. Je passe vraiment une excellente soirée avec mes nombreux amis. À la nôtre. Ouais. Oh, merci Hubert, t'es vraiment le meilleur copain du monde. Oh, t'es sûr comme un chef, change rien, mec, on t'adore. Merci, les gars, ça fait chaud au cœur. Elles vont être vertes. Je parie ma cravate qu'elles vont pleurer pour venir jouer avec nous.
Oh, ça va, hein? Pas la peine de me regarder comme ça. Je sais très bien ce que vous pensez. Si vous croyez que je vais les supplier de m'inviter à leur soirée, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Inutile d'insister, j'ai ma fierté, moi. C'est sympa, Jean-Luc. Toi, au moins, t'es un vrai pote. Hubert? Dis-moi que t'es consciente de parler à un coussin, s'il te plaît. Ah non! On avait dit pas de garçon. Mais on peut pas le laisser dans cet état! Si on l'accepte à notre soirée, on piétine des années de combat pour la liberté des femmes. C'est hors de question. On pourrait pas faire un mini-break dans la lutte contre l'oppression des mâles dominants? Faut pas se relâcher. Si on dit oui une fois... Yes! Merci les copines! Ok, juste une fois alors. Après, on reprend la lutte. Bien dit, les filles! Atelier bracelet brésilien, ça vous branche? Pour garder un super souvenir de cette soirée. On fait le bilan des tendances pour l'été, hein? Customiser son jean avec un sac en plastique, tous les trucs des grands créateurs. On se raconte nos histoires de cœur, alors. Un yaourt 0%. Te fatigue pas, tu fais tâche. Un gars dans une soirée pyjama, c'est comme une cornemuse dans un concert de rock. C'est pas réglementaire. Vous avez raison, les filles. Ça se fait pas. Enfin, t'es raisonnable. Mais non, justement. On n'est pas raisonnable. On est des roqueuses. Les règles, on s'en balance. Mais vous imaginez le truc. La seule soirée pyjama au monde avec un garçon dedans. C'est limite choquant, mais c'est ça qui est bon. Faut bousculer l'ordre établi. Réveillez-vous. On est des rebelles ou pas? Si on vous dérange, hein. Allez, la belle, hein. Puisque vous êtes des filles, on vous laisse 3 points d'avance. Tu veux les vexer. 3 points d'avance pour nous. Parce que j'ai le désavantage de faire équipe avec un garçon. Ok, prête les rebelles. Désolé. Tu vas jamais me croire? J'y crois pas moi-même. C'est dingue. Tu vas te marier? Hein? Mais non, mais non. Mimi t'a légué sa fortune? On est riche! T'as découvert que tout ce qui nous entoure n'existe que dans notre imagination. Je le savais. Rien à voir. Bah vas-y, crache ta pilule. Hervé de la Poêle, viens ici. C'est qui? Hervé de la Poêle, le grand critique gastronomique. Il a goûté ma cuisine et maintenant il veut venir dîner dans mon restaurant. Mais quel restaurant? Ben celui qu'on va ouvrir ici. C'est pas un peu triste, tout blanc? C'est pas blanc, c'est crème. Le voilà! Le voilà! Tu lui donnes la meilleure table, hein? Et la meilleure chaise. Et le meilleur verre. Et la meilleure fourchette. Relax, on a répété toute la semaine. Je suis au point. Bonsoir. Bienvenue à la table d'Hubert, monsieur de la Poêle. La table d'Hubert est à caco. Ben quoi? J'ai un truc entre les dents? Mais est-ce que vous moquez de moi? C'est parce que c'est impossible. Une mouche? Bien sûr que non, rassurez-vous. Je suis à vous dans 2 petites secondes. Voilà, ta présence indispose monsieur de la Poêle. Note qu'il n'a rien contre les mouches dans les restaurants, hein. Ça serait de la discrimination. C'est juste que tu fais des courants d'air avec tes ailes et
Et il a peur de tomber malade, voilà. T'es en train de me dire que tu veux pas de moi dans notre resto? Que je... Oh non! Absolument pas! Au contraire! Tu mérites d'avoir un poste plus important. Oh! Tu vas me laisser passer mes disques? Mieux que ça! Merci. Allô, les filles? La table d'Hubert vous souhaite un très bon appétit. Tout est à votre convenance? Où sont les autres clients? Je déteste dîner dans un restaurant désert. T'aurais pas vu mes clients par hasard? Non, pourquoi? Tu sais, c'est calme ici. Chaud les marrons! La douce prend le menu du jour. Il reste des croquettes de saumon? C'est de la concurrence déloyale! On se calme! J'y peux rien s'il y a trop d'attente entre tes plats. Le plat de résistance va vous être servi dans la salle du haut. Croustade de truite en chemise de sel et sa rumba de légumes verts. Et toc! Tout se passe comme vous le désirez. La cuisson est ratée. Je suis confus. Je n'ai eu aucune plainte. En êtes-vous bien certain? Et une assiette de beignets de calamar. Une! De la friture. T'as vraiment aucune éthique. C'est pas ma faute si tes clients ont encore faim après le plat de résistance. Deux cafés gourmands pour la 8 et tu me débarrasses la 24, s'il te plaît. Excuse-moi, vieux, c'est le coup de feu, là. Je veux voir tout le monde en haut dans 30 secondes! Et le premier qui casse tes Hervé de la poêle aura affaire à moi! Deux salles, deux ambiances. C'est original. Monsieur de la poêle. Mmh. On s'est bien marré, hein? Hein? Chut, mode fort, monsieur de la poêle. Oh, appelle-moi Hervé, mon cochon. Allez, roule, coco. Salut les copains. Hubert, on a réussi. Il va nous faire une pub d'enfer. Quand il s'est mis à danser sur le bar, c'était comme dans un rêve. Franchement, tes beignets, c'est une tuerie. T'as vu ça? Un peu de chapelure et un vieux pneu. On aurait juré que c'était du calamar. Il y a des lendemains qui chantent, mais pas ceux de la table d'Hubert. 24 heures après, la cuisine du chef vous retourne encore l'estomac dans d'abominables renvois. Ah, là, il y a un truc plutôt positif. Si la malbouffe avait ses étoiles, la table d'Hubert brillerait au firmament. Ah, c'est bien ça, non?